Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous amène avec moi en vacances. Au départ, j'avais prévu faire une tournée du Québec, passant par la Tuque, le lac Saint-Jean, puis Charlevoix. Mais j'ai tout jeté ça à la poubelle parce que on s'entend qu'au Québec, à part un trou d'un caillou, il n'y a rien à voir ici. On part pour l'Ouest canadien. Petite nuitée à Montréal parce qu'il fallait partir quand même tôt le lendemain matin de l'aéroport. Et c'est parti pour notre voyage dans l'Ouest. Rendu à Calgary, on nous prête une auto, puis on prend la route vers le parc national de Banff. Rendu à notre lieu d'hébergement, on en est profité pour s'installer un petit peu. Puis après ça, on est allé visiter la ville pour voir un peu à quoi qu'on avait à faire. There's a little place that comes to mind. Believe you me, it's a joy to find. Close off the street at harvest time in that old river town. Fishing boats blow their horns. Pour notre premier repas là-bas, on a décidé d'aller dans un petit pub pour déguster une excellente fondue au fromage qui nous était servie par le chef du Fairmont de Banff. Le lendemain, on se rend au lac Louise et au lac Moraine, qui sont les deux principaux attraits du parc national de Banff, où plusieurs touristes y vont prendre des photos, faire du canot également. J'avoue que ces deux lacs-là sont vraiment impressionnants. Par la suite, on longe la rivière aux eaux aussi turquoise que le lac Louise, en attendant justement que le train passe pour avoir le cliché parfait. Le lendemain matin, on décide de monter en télécabine en haut d'une montagne pour avoir une meilleure vision sur toutes les montagnes avoisinantes et tout le décor qui nous entoure. And
Pas de mieux que de se reposer en fin de journée dans un spa avec une vue magnifique sur les montagnes avoisinantes. Avec l'autre tabarnak, esti. Un autre pub, cette fois-ci pour Spuce, mais là j'ai mangé un burger de bison et de wapiti. Pour terminer notre voyage, on prend la route vers un autre parc national, celui de Jasper. On suit la route des glaces, qui est vraiment impressionnant par la hauteur des montagnes avoisinantes. C'est déjà le temps de rentrer, donc on reprend la route vers l'hôtel pour pouvoir dès demain reprendre l'avion à Calgary. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by. Could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. Donc nous voici à l'aéroport, prêts à reprendre l'avion pour retourner à Montréal, retrouver notre petit Québec. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite au Canada, que je vous ai fait découvrir un petit secteur de notre pays qui vous donnera le goût peut-être d'en apprendre davantage. Bonne fin de journée à tous. Bye!